vois, Corinne, standardiste, c'est tout dans le mental, dans la concentration. Tu vois? T'as pas le droit à l'erreur. Tu fais une fausse manip, tu laisses traîner le mec en attente, et ben le mec, il rappelle. C'est un peu central, en fait. Tu passes par toi, c'est ça? N'écoute pas, excuse-moi. Service d'orthopédique, j'écoute, hein? Ne quittez pas, je vous le passe instinctement. Toi, par exemple, là, un exemple. On me demande de passer le kiné. Bon, ben, je passe le kiné. Ouais, je sais. Ça peut paraître un peu obscur au début quand on n'est pas du métier, mais après, ça s'éclaircit. C'est tout dans le mental, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a longtemps que tu travailles ici? 3 ans. J'ai suivi un cursus classique. J'ai commencé chez Pizza Pino, tu vois. Et là, j'ai rencontré René Lagatte. C'est qui, René Lagatte? Monsieur René, c'est une sommité dans le milieu du téléphone. Il m'a tout appris. Je lui dois tout. Mais malheureusement, là, il nous a quittés. Il est décédé. Il est mort au front. Il est mort à la guerre? Non. Au front. Il est tombé dans les escaliers et s'est niqué le front. Je suis désolée. Il me manque. C'était pour moi comme une sorte de père réceptuel, toi. En tout cas, moi, j'aime bien venir discuter avec toi. C'est vrai? Tu veux voir, Phileas? C'est mon téléphone customisé. Tu veux le voir? Tu te fous pas de ma gueule? J'ai pris un boîtier d'Amaris 200, tu vois, que j'ai profilé sur 4 niveaux. J'ai mis une bande anti-sueur, là, comme pour les raquettes de tennis quand j'ai chaud. Et là, la petite bande velcro, c'est pour attacher à la blouse. Ouais, il est beau, là. Ouais. Excusez-moi, pardon. Vous êtes la petite stagiaire Corinne, là, de Marseille? De Niort. Une niorteuse. On dit niortaise. Ah, ils sont susceptibles, hein, les gens du Nord, les ch'timis. C'est pas dans le Nord, Niort. Sinon, ça se passe bien dans le service, ouais? Hein? Mm-hmm. On est contente? Ouais. Si tu as le moindre problème, tu sais, de relations intrapersonnelles, c'est Bibi qu'il faut venir voir, hein? Pas le jeune maghrébin. T'es là jusqu'à quand, là, à peu près? Tu restes longtemps? Jusqu'à vendredi. C'est bien. Un peu plus tard. Cette meuf-là, elle est trop sympa, je te jure. Mais pour moi, elle est trop... Elle est trop... Trop grande, ouais, je sais. C'est toi, j'ai deux mots à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà, le professeur Strauss a un ami qui s'appelle Émile Zola. D'accord. Zola, avec deux L, hein. Attention, faut pas confondre, hein, avec... Zola. Bon, on se barre. Donc voilà, cet Émile a un fils qui s'appelle Loïc, qui a 18 ans, qui est un petit peu foufou, enfin, tu vois, un peu décontracté. Ouais. Hein. Donc le professeur Strauss va le prendre une semaine pour le faire travailler, ouais. Hein, pour lui apprendre les dures réalités de la vie, comme il dit. Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi? T'as frappé à la bonne porte avec moi. Brancardier, c'est l'école de la vie. Je vais vous le former, votre petit jeune, moi. Je savais que tu dirais oui. Ouais, mais compte sur moi. Y a pas de problème. Je vais faire de lui un homme. Un brancardier de l'an 2000. Un sabri bis. Non, pas trop bis, hein, quand même, tu vois. J'ai discuté avec la petite Corinne, la stagiaire. Elle est super, cette meuf. Vraiment, j'adore, moi. C'est... Tu te l'es pécho? Non. C'est-à-dire, là, elle pouvait pas. Elle m'a dit que normalement... Tu t'es pris une veste? Non, c'est pas... Je me suis pas pris une veste. Elle a juste dit que, normalement, comme elle est, tu vois, elle est un peu timide, elle est réservée, donc elle m'a dit... Tu t'es pris une veste! N'importe quoi, d'accord? Ok? Je me suis pas pris une veste. Elle est juste différente des autres. Ce sera pas comme d'habitude. Normal. Hein? Attends, qu'est-ce que t'ouvres ta gueule, toi, hein? Tu t'es pas tapé une meuf depuis août 93 et t'ouvres ta gueule? Septembre 93. Pardon, excuse-moi. Mais Corinne, elle est différente des autres. Ouais, je comprends. Ouais, et alors? Non. Mais non, mais je suis sûr que je suis persuadé que tu l'as sorti tous tes plans bidons à 2 francs, là. Moi, Aimé, j'ai pas de plan, ok? J'improvise à l'américaine, de New York Styles. Ouais. C'est... Tu lui as fait le coup des petits restaurants sur les quais de Seine, là, les meilleurs de Tagliatelle de Paris? Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Bah forcément, ça foire! Ouais. Corinne. Ouais. Il faut pas la draguer comme un renard. Faut la draguer, elle est sensible, faut être sincère comme une loutre, tu vois.
Tu veux peut-être que je le joue à la Jamel, genre, oh là là, vous avez vraiment des yeux en joliveur, hein. C'est ça, voilà. Fais le malin, fais le malin. En attendant, tu t'es pris une veste. Et pas une petite veste, hein, une grosse veste, une XXL, hein, un truc qui te va bien, un truc bien. Un truc avec des boutons de pression en cuir, en daim, avec des petites franges, genre Kevin Costner. Dans le film La Danse avec les loutres. Oui, allô? C'est Clara. Allô? Allô? Allô, Denis? Ouais. C'est Clara? Ça va? Ouais, ça va, ouais. Dis donc, voilà, j'ai des petits ennuis. Est-ce que je pourrais venir dormir un ou deux jours chez toi comme ça, là, pour voir, en tout bien, tout honneur, hein, évidemment, oui. Non. Hein? Non. Eh ben, au moins, c'est franc, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec ta mère? Non. C'est pas ma mère qui a explosé, c'est le cumulus des voisins. J'ai tout simplement 10 cm de flotte dans tout l'appart. Comment t'as fait pour sauver les meubles? Ah ben, j'ai fait, je me suis assise, j'ai regardé, j'ai pris un temps et j'ai dit « Oh, bah tiens, tout est foutu !» Et tu vas dormir où ce soir? Bah, je sais pas. Le côté Venise, c'est sympa, mais je sais pas si je pourrais flotter pendant toute une semaine, tu vois. Bah, écoute, si tu veux, je peux te dépanner, moi. Hein. J'ai un clic-clac dans le salon, alors... Un clic-clac? Oui. Non, non, merci, non. Ça te dérangerait pas? Tant pis ce que je te propose, t'es la bienvenue, hein. Et je te préviens, hein. Comme dit ma mère, je suis une véritable romanichelle. Ah bon? Ah ouais, dès que je sors du boulot, je suis plus la même femme. Hein. Je sais plus ce que je fais. Tu sais, j'ai réfléchi, je crois que t'avais raison hein, pour Corinne. Tu veux dire que l'étalon des îles peut se tromper en matière de meuf? J'avais tout de suite vu qu'elle était différente, hein. Ça, j'avais remarqué tout de suite. Mais, comment tu ferais, toi, si tu... Première chose, ouais. On dit pas d'une meuf qu'elle est bonne, ouais. Mais qu'elle est attirante. Attirante, attirante. Moi, j'ai toujours dit ça, hein. J'ai jamais dit bonne, hein. Attirante, ok. Deuxième chose, ouais. Il faut que tu sois humble. 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 L'humilité. Parce que je suis pas l'homme le plus humble du monde. Oh, mais je t'ai cherché. Ah, Corinne. Ça va? Tu veux un renseignement? Tu veux savoir comment on fait des bébés? Si je veux. Parle-lui non, c'est Clara qui m'a demandé de t'appeler, elle a besoin de toi pour le planning. Ah, si je veux. Tiens, Corinne. Oh là là, tes cheveux, comme ils sont beaux et lisses. Tu trouves? Ouais. Toi aussi, t'as des beaux cheveux. Ses yeux sont aristocratiques. Non, tu as des yeux beaux aussi. Et lisses, comme tes cheveux. Merci beaucoup. Je trouve. Ouais. Bon, faut que j'y aille. Ne quittez pas, je vous prie. Ne quittez pas, monsieur. Non, tu vas me manquer quand tu seras parti. Tu vas me manquer quand tu seras parti. C'est gentil. C'est mystérieux ce qu'on aime. C'est super bon, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. De plus, tu es comme un aime. C'est pas super bon, et on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est si bilin comme métaphore, ouais. Mais plutôt rigolo comme rhétorique en fait. Ouais. Parce que de toute façon, ouais. L'archétype du dragueur misogyne. Hein. J'ai pas compris, ouais, tu te démerdes. Ouais. Bon, faut que j'y aille, hein, vraiment. Salut. T'as vu comment elle était déçue? T'as vu comment elle a dit faut que j'y aille? Je vais l'attraper tout de suite, je vais la choper. Mais tu vas où là? Tu vas où? Là, je vais la choper dans la salle de garde, je vais la coincer. Mais t'es un sauvage, toi. Tu penses qu'à ça ou quoi? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je me la ferai demain. Demain! Salut, c'est toi Sabri? Je m'appelle Loïc, je viens pour le stage. Excuse-moi, je suis à la bourre, j'ai une galère dans le métro, il y avait une grève. Bon, autant que je te prévienne tout de suite, toi, ok? C'est pas une auberge espagnole ici, il y a des règles. D'accord? Alors ouvre grand tes oreilles, parce que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Primo, c'est pas salut, c'est bonjour. Deuxio, c'est pas Sabri, c'est monsieur. Troisio, tu me tutoies pas, je suis pas ta petite sœur. Quatrio, quand je dis 9h, c'est 9h, pas 9h05, ni 9h10, et encore moins 9h30, ok?
hein. Et tes excuses du métro, je les ai déjà faites avant, moi. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à construire des limaces, ou je sais pas quoi. Ok. Ouais. Non, je connais pas, ouais. Je veux dire, oui. Voilà. Allez, tu sors et tu me refais ton entrée. Comment ça? Tu sors et tu re-rentres correctement. C'est pas difficile, ça. Putain, il y a tout à refaire avec ce petit, hein. Allez, Ville. Eh oh, eh oh! Frappé, tu connais pas? Allez, hop, recommence. Excuse-moi. C'est pas grave, t'es là pour apprendre, petit. Excusez-moi. Oui? Bon, monsieur Sabri. Oh. Excusez-moi pour le retard. Normal, c'est pas grave, petit. Ça doit être le métro, ça. C'est rien. Bon, voilà, jeune. Je suis ton instructeur pour cette semaine. Tu viens pour le stage et c'est moi qui vais te former. Tout d'abord, il faut que tu aies les bouquins. Le premier bouquin que je vais te donner, faut que tu le potasses à fond, d'accord? Oui. Le brancardier à travers l'histoire. Ça, tu vas tout connaître de Jésus à aujourd'hui. Brancard, mon ami. Ça, c'est pour tout connaître sur les rouages du brancard, de Jésus à aujourd'hui. Le plus important, pour pas galérer en soirée, comment se faire des amis brancardiers. D'accord, c'est... Hop. Bon. Et j'ai une petite surprise pour toi. T'as quel âge? 18 ans. C'est peut-être un petit peu jeune, mais bon, allez, on va voir. Voilà ton dessert. Les jeunes brancardières. Ah, c'est tout le clic-clac, ça. Hein. Une barre derrière la tête, une dans le dos, une dans le... Enfin, bref. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait rire quand tu t'es levé pour aller vomir. Ah, je sais pas si c'est ta tartiflette au curry ou tes fraises à l'huile, là, j'hésite. Hein. En tout cas, tu m'as bien fait rire, hein. C'est vrai. Quand t'as perdu tes lunettes et que tu les as ramassées là, en faisant la truie avec ton gros groin, là. Tu fais bien la truie, d'ailleurs. Ouais. Hein. Et toi, avec ton histoire, là, avec le mec qui t'avait emmené au cimetière, là, comment il s'appelait, déjà? Je sais pas, je vois pas qui tu veux parler, là. Mais si, vous cherchiez une tombe connue au Père Lachaise. Ouais. Il faisait froid, t'étais à poil. Ah, c'était une soirée unique, hein. Enfin, je l'espère. On va bien rigoler ce soir aussi, hein. J'ai fait des super courses. Ah bon? Poivrons, endives, tomates et. Ah, langue de bœuf. Si on allait au resto. Ah, excuse-moi, je te dérange. Ah non, pas du tout. J'avais des dossiers à classer, mais j'ai terminé. T'as tant aimé, là? Non, il est rentré chez lui. En me souhaitant une bonne et douce nuit de repos bien mérité. Ah, ça, c'est tout lui, ça. Super attentionné, sympa, gentil, quoi. Mais bizarrement, pas toujours, en fait. Au début, il était vachement dedans, genre dragueur. Tiens, ça m'étonne, c'est pas son style, ça. Hein? La porte s'est fermée tout seul. On a de la chance d'avoir un ami comme toi. Ah, c'est moi qui ai de la chance d'avoir un ami comme lui, surtout. Tu sais qu'il s'est avec si, c'est un mec super bien. Je t'ai raconté le jour où il a sauvé deux enfants de la noyade. Ils étaient sur un lac gelé. Ils faisaient du hockey sur glace parce que c'était un lac glacé. Donc, et à un moment donné, la glace se brise. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend un extincteur. Il éteint toute l'eau qui était déjà bien mouillée. C'est pas Aimé qui me plaît. Attends, et tu l'as déjà vu torse nu, Aimé, quand même? Jamel, c'est toi qui me plaît. Et tu, attends, tu savais qu'il avait inventé deux vaccins? Deux gros vaccins? Des vaccins bien, des vaccins... L'autre jour, quand tu lui soufflais ce qu'il fallait me dire, c'était tellement attendrissant. Tu viens mon hôtelier juste à côté. Madame, qu'est-ce que vous insinuisez, là? T'as pas envie de moi? Hein? Oui, madame, s'il vous plaît. Mais... Alors, donc, je récapitule, sans vouloir... vous voulez faire l'amour avec moi? Ouais. Tout nu. Oui. Mais je peux pas faire ça à Aimé, il va pleurer, il va... Mais il va... c'est pas Aimé que tu vas faire ça, c'est à moi. Ah! Ah là 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 là! Il faut soigner ses caries, hein! D'accord, mademoiselle? Loïc! Bonsoir, monsieur Jamel. T'as pas encore fini ta journée, toi? Ah non, je dois encore réviser, madame Corinne. je vous raccompagne à votre... s'il vous plaît. Ouais. Numéro 84.
Le fauteuil dit roulant est composé de deux roues souples de diamètre égaux et d'une chaise à dossier amovible. Il est employé, Loïc, pour transporter les patients ou pour faire des courses ou encore pour s'asseoir pendant la pause. Dans ce dernier cas de figure, Loïc, il est déconseillé de faire la pause dans une pente. Allô, madame. Oui, ne quittez pas. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Deux jambes broyées? Eh ben, c'est pas grave, deux jambes... Ouais, deux de perdu, 10 de retrouvé. Je vous passe à l'urgence tout de suite, madame. Salut, Jamel. Aimé, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir, je te jure, t'es mon ami, je te trouve beau. T'es sûr que t'as bien dormi, toi? À vrai dire, j'ai pas trop dormi, pour te dire la vérité. J'ai pas dormi du tout, d'ailleurs. Ouais. J'ai passé toute la nuit sur orbite. Ouais. Moi non plus, j'ai pas trop dormi. J'ai réfléchi. Et tout s'est éclairé d'un coup, quoi. Peut-être la lampe de chevet? Ah non, la vérité. C'est-à-dire, j'ai compris que les histoires d'un soir, ça mène à quoi? À rien? Hein? J'ai trouvé l'âme sœur. Comment ça, ma sœur? J'ai trouvé la femme de ma vie. C'est pas vrai. Mais ouais. C'est qui? C'est Corinne. Non, là, je pense que tu t'emballes un peu. Ça sert à rien de précipiter les choses. Non, 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 c'est sûr, c'est Corinne. Tu sais, cette nuit, j'étais pas bien. Alors, je me suis réveillé, j'ai téléphoné à son hôtel. Mmh. Toute la nuit, ça sonnait. J'ai pas arrêté de... Elle répondait pas, elle devait dormir un petit point fermé, comme ça. Je l'imagine. Comment te dire, Aimé? Tu es mon ami, ouais. Faut que tu saches la vérité. Ouais. En fait, regarde. Hop là. 18 carats, un diamant. Tu sais, je l'avais offert à Géraldine. Oh. Il me restait les clés de l'appart, alors j'y suis retourné cette nuit. T'as vu, c'est beau, hein. Ça va lui faire plaisir, je suis sûr. Hein? Ouais. Non. Donc, on récapitule. 1. J'ai un brancard, un seul, et je le prête jamais. Même si? Même si on me le demande. Ça peut être une ruse. Bien. 2. Tous les soirs, je le range à la même place. Pour? Pour le retrouver le lendemain matin. Où? À la même place. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais. C'est bien ça, c'est bien. Bien, on va passer à la deuxième étape, le maniement. Il faut que tu saches un truc, petit. Le maniement, on ne manie pas un brancard à vide comme on manie un brancard à plein. C'est logique. Ensuite. Eh oh, mais qu'est-ce qu'il me fait l'oiseau là? Tu te crois où là? Ça te fait marrer en plus? Je crois qu'on s'est pas très bien compris tous les deux. Hein. Pardon. Pardon qui? Pardon mon chien? Pardon monsieur. Ah bah. Bien. Troisième étape. Le brancard, c'est ton ami. Ça, il faut bien que tu le retiennes. D'accord? Tu ne lui tournes jamais le dos. Jamais. Ça, c'est une règle. Si par malheur, tu te retrouves devant lui, qu'est-ce que tu fais? Une technique très simple. Feinte avant, prise arrière. Feinte avant, prise arrière. Et là, t'as plus qu'à faire de la remorque. Alors, le petit Zola, il nous fait son germinal? Pourquoi tu dis ça, toi? Ben, Zola, germinal. Voilà. Je joue pas au plus con avec moi, toi. Dis donc, t'as pas l'air de t'aller de dormir chez Béa, toi, hein? Pas de ses cernes? Oui, mais ça, on peut pas dire non plus que je dorme vraiment, hein. Enfin, attends, elle est gentille de me dépanner, hein, Béa. Ça, c'est sympa de sa part, ouais. T'as déjà dormi à côté de quelqu'un qui écoute France Culture toute la nuit, toi? France qui? Oui, attends, question idiote. Enfin, Béa, elle est gentille, tu vois, mais elle a un grain, c'est pas possible autrement. Tu sais ce qu'elle fait la nuit? Elle passe l'aspirateur. Non, mais passer l'aspirateur, c'est une activité diurne, quand même, non? Diurne? Diurne, ça vient du latin dies, qui veut dire le jour. Bon, toi, t'as gagné, allez hop, interroflash écrite, bien. Tu fais de ma gueule, toi, hein? Salut, Corinne. Ça va? Bonjour, madame Rostand. Bonjour. Alors, vos Christophe Lambert, ça se tasse? C'est bien, c'est cool, comme ça, hein? On va le faire ensemble, hein? Dis-moi, t'as regardé Arte hier soir, non? Non. Il y avait un portrait sur Stéphane Zweig. Mm-hmm. Hein? Oh, je me suis régalé. Oh là là. Ah, oh là là. Ça, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui était... il était une énergie incroyable, une soif de vivre. Il s'est suicidé en 42. Et quel écorché vif, Corinne. Tout ça par amour. C'est à cause du nazisme qu'il s'est suicidé. C'est pas à cause d'une femme. Ouais, ça c'est sûr, hein, Corinne. Ça, c'est pas vous, les femmes, qui vous laisseriez aller comme ça. Hein. Vous avez une force. Vous avez une force en vous que nous, les hommes.
On n'a pas. Elle s'est suicidée avec lui. Madame Rostand, une petite anesthésie, ça vous ferait plaisir, non? Merci, ça va. Bon, je vous laisse entrer, Rudy. Attends, attends, Corinne. J'étais venu en réalité pour t'offrir ceci. Voilà. Et mais je peux pas accepter ça. Attends, il y a une bague à l'intérieur quand même. Hein. Allez, pas de chichi. J'ai déjà un copain. Un copain avec qui tu... Avec qui je... Eh ben écoute, y a pas de problème. Hein? Une de perdue, 10 de retrouvée. Voilà. Vachement bien que tu le prennes comme ça. J'ai pas trop le choix non plus. Hein. Ben voilà. Salut. Ciao, ciao. Un pauvre garçon. Elle vous a repoussé comme une merde. N'importe quoi. Et ben voilà, mon gars. C'est la fin de ton stage. Alors, pas trop le cafard? Non, ça va. Ah. Tu sais, je vais te dire un truc que je dis pas souvent. Mais tu me plais bien comme petit gars, tu sais. Merci, monsieur Sabri. Mais plus de monsieur entre nous, qu'est-ce que tu fais, là? C'est fini, tout ça. Par contre, maintenant que la formation est terminée, j'aimerais que tu me dises franchement comment tu m'as trouvé comme prof. Mais dis-moi-le, vas-y. Dis-moi, allez, envoie les compliments. Vous voulez vraiment savoir? Bon, oh, je parle chinois ou quoi, là? Hein? Je veux la vérité, Lolo, qu'est-ce que tu fais, là? Dis-moi la vérité. Dis-moi comment j'étais. La vérité, c'est que tu m'as dégoûté du métier de brancardier. Avec tes discours débiles et paternalistes, tu m'as gavé du matin au soir pendant une semaine, pire qu'au scout. Lave-la, la vérité. Tu m'as fait chier. Des fois, t'aimais bien, quand même. J'ai encore 2-3 jours à passer chez elle, je sais pas si je vais tenir. Tu m'étonnes. Non mais c'est miserie cette fille. Tu sais ce qu'elle m'a fait hier? Tu m'étonnes. Elle a joué de la guitare toute la nuit. L'intégrale de Pierre Bachelet. Tu m'étonnes. Bon, arrête avec tu m'étonnes, tu m'énerves là. Tiens en fait, je sais pas si je t'ai dit mais je garde le chien d'une copine ce soir. Ah. Il va falloir que tu préviennes tes chats, toi. Ça va pas être possible, hein. Je crois que je vais aller à l'hôtel, hein. C'est plus pratique. D'accord, bah comme tu veux, hein. Mais je te chasse pas, hein, surtout. Non, bah penses-tu. Bah non. C'est pas trop tôt, hein. Je vais te dire, elle est invivable, quoi. Je vais pas être méchante, mais alors attends. Et j'ai mal aux pieds, j'ai mal ceci. Mais pourquoi tu lui as pas dit, alors? Attends, mais j'ai tout essayé, là. La langue de bœuf, France Culture. J'ai même fait l'intégrale de Pierre Bachelet à la guitare. Il me manquait quoi, 2 jours? 2 jours. 1 jour peut-être, en 24 heures, enfin c'est dur quand même en 24 heures. Mais bon, je pense que ça allait se faire quoi. Puis elle a dû retourner chez elle, donc forcément, j'ai pas. Oh oh! Elle vient chercher son petit baiser d'adieu aussi. Oh non, c'est pas bien ça, c'est pas bien.